Bonsoir tout le monde, moins content de retrouver Sophia TV83. Yo l'autre fois encore, nous dans Kaila pour nous desservir, je ne connais déjà, c'est aller chercher et puis porter information pour quel que soit Jean-Lia. Déjà nous dit toutes, amis, bienvenue, moins content, nous là pour nous entendre des nouvelles là. Eh bien, je nous te connais la semaine passée à la Nations Unies, te mette yon note de yon pour te faire quoi que, insécurité a gagné un gros ralenti sous lui suite à Confédération Gang Genève là. Eh bien, bagay ça te fait pile parler dans le pays d'Haïti, secteur politique là, ou encore moun qui a défend opposition, yo te parlé grave sous dernier rapport Nations Unies mette dehors côté yo te corré Genève là. Dans moment ça là, dernier rapport Nations Unies vin paraître, eh bien, yo a posé tête aux questions dans une circonstance grave, comment élection pral fait dans pays ya par rapport à Fédération Gang yo qui fédéré dans tout pays ya, pas gain possibilité pour al mette bureau dans quatre coins et quartier populaire yo, même gens tout yo quoi police là perdit en pile nan valeur li parce que yo pas capable entrer aucun côté. Luis Almagro qui c'est représentant l'ONU en Haïti, li parlait en pile sur ça et yo sorti yon rapport qui souke tout moun côté un paquet leader politique déjà applaudi gros bagay ça. C'est même gens tout yo dit détail ça yo vini, c'est par la suite mandat binu fini, c'est ça que fait Jean de parole ça yo sorti. Yo accusé encore président Jovenel Moïse ak lot moun ki gen awe ak Fédération Gang Genève yo, même si nan rapport sa yo tabay an pile coup de plume pour gouvernement. Zami fanatique Sophia TV83, entendez ensemble avec dernier rapport l'ONU en Haïti côté que yo mande gouvernement prend disposition pour protéger population ou bien encore wè ki sa yo capable faire pour capable baisser sécurité en Haïti qui a monté chaque jour plus bay moun problème nan pays a. Rapport l'ONU a sorti en pile moun bat bravo entendel nan micro bob se comment ça y neuf yo et gen un gros poids nan balance insécurité hein li réduit mais donc tout moun te rele en moins mais jodi an nan dernier rapport secrétaire général Nations Unies hein, sou Haïti mais on fait qu'on est et même bilan yo fait et son exercice qui pas facile n'a fait pour vous n'espère pas comprendre ni nous toujours essayer la donne exercice français créole direct là et yon l'année après départ dernière force là qui c'est mini juste contexte sécuritaire là dans pays d'Haïti l'été fragile tant qu'aux effets avec épisode sans arrêter montée violence là dans mitan population an, et ces populations qui malheureusement principale victime là dans rapport ça vous fait qu'on est depuis après la mort maître Montferrier d'Oval dans date 28 août en pile maman depuis même avant la mort en pile maman avec papa petite timoun étudiant homme des lois travailleur entrepreneur tout passé en bas rouleau compressif ça que nous relé insécurité qui vient renforcer ça n'a pris on la pérèse chaque jour dans en pile famille dans en pile foyer dans rapport ça il fait qu'on est des centaines de familles actuellement gagnent qui abrité ou bien hébergé dans la langue française dans série de petits kounouk de fortune après que yo gardé kayo tap vive depuis un bon bout de temps passé en bas flamme du fait quand on est net incendié par des gangs notamment yo cité quartier Tankou quartier Belair la Saline défenseur droit moun journaliste tout moun menacé et gagnent qui gagne gros menace la mort qu'a pesé loup sous doyo peut-être yo t'ai révélé des informations ou bien yo t'ai dénoncé certaines injustices. Dans le même rapport, ça, dernier rapport, secrétaire général des Nations Unies, sous question du pays d'Haïti, il fait connaître que, en pile manifestant, tant qu'étudiant Grégory Saint-Hilaire, il a perdu la vie, il a blessé, parce que il a été levé campé pour participer dans des mouvements de revendication pacifique. C'est sous réalité ça que il a fondé des marches citoyennes pour capable demander sécurité et justice dans la coupe pays d'Haïti. Dernier rapport, secrétaire général des Nations Unies sur la situation pays d'Haïti,
li présenté par le Conseil sécurité des Nations Unies dans la date 5 octobre 2020. Yo tiré san rele sans cacher main voye wash yon sonnette yon cri d'alarme sous impact et croissant violence yo vinn gen dans pays d'Haïti. Et surtout avec ça yo qui lié avec gang kap faire des faits sous population. Dans capitale là bande criminelle qui gen gros am nan men yo et yo paraît visible tout moun wè yo côté et yo vinn augmenter chaque jour bon Dieu mette brutalement nombre victime yo dans divers quartiers. Violence gang yo d'après ça on fait connait gon incidence directe sous activité économique là tout moun capable wè ça qu'elle était formelle qu'elle informelle. Li gen impact tout sous emploi et sous l'autre activité dans d'un pays. Dans sens ça, il fait connait que ça vient cause tout gon situation de vulnérabilité dans pays côté gon bon accès qui réduit, qui limité avec service et même gens avec service assainissement, santé, éducation. Dans sens ça, dans même rapport ça, il présenté un yo fait connait que yo préoccupé sérieusement devant bataille qu'a mené pour ta gain élection dans pays d'Haïti. Yo posé tête yo question, est-ce que élection a capable possible dans situation ça. Les rend yo compte attaque armée qu'a fait dans dernier temps ça depuis des années, ta kou dans grand ravine dans la saline dans Bel Air. Donc dans sens ça moun kap komet zak yo pas jam kapab traîner réellement devant la justice. Bureau intégré Nations Unies dans pays d'Haïti buni li condamné sans réserve ak toute force li toute zak violence qui a fait contre population et qui contribuer nan monter insécurité sur territoire national là. De plus, li fait rappel ça à l'état haïtien pour dire que li gen obligation pour prendre toute mesure qui nécessaire et en façon pour arriver protéger population vulnérable qui prend en otage par action malhonnête criminelle gang yo et pour capable renforcer davantage la police nationale là bal moyen pour capable gon présence bon côté population en population qui déjà vulnérable pour arriver combattre menace ça danger ça entrave ça et qui entraver démocratie justice et stabilité dans pays d'Haïti. Pour finir, Buni dit lui déplorer impunité en bande criminelle bande armée abjoui dans pays d'Haïti. Pour Buni, c'est un affront à l'état de droit et li capable vin pon l'autre cycle de violence dans société. Dans le 12 octobre dernier, secrétaire général des Nations Unies a renouvelé appel à s'arrêter un cessez-le-feu global en façon pour arriver protéger communauté qui touchée dans crise sanitaire COVID-19 là et pour être capable bailler un espoir de paix et sécurité. Appel ça li concerner Haïti directement. Membre fondateur organisation Nations Unies mandé pour toute violence ta kaba pour gang armé yo ta suspend donc kidnapping assassinat attaque zak intimidation contre population donc nous pas capable continuer à vivre comme ça. Nous encourager acteurs dans l'état yo pour commencer et il parlait du CNDDR qui c'est une entité nationale qui gagne sous responsabilité pour coordonner lutte contre violence en dans collectivité yo avec l'autre acteur dans société civile là. Il parlait des groupes jeunes garçons et jeunes femmes et ben pour capable manifester j'ai fond nous davantage pour comment nous capable réduire violence dans chaque communauté dans chaque territoire qui moyen pas de moyen pour ça bon pas de moyen et bini ce deal là présence la police là donc les limiter dans quartier côté population en otage faute de moyens ils sont impératifs tout malgré défi Haïti
ta supposé suivre chemin cap mené dans stabilité et sécurité. Des conditions essentielles pour un développement social économique durable dans le pays. En façon pour arriver aider autorités nationales à atteindre objectif yo. Mission pour déployer dans sens ça Conseil sécurité des Nations Unies te déployé dans le pays à nous connaît dans l'année 1995 te contribué dans développement institution l'état et te gagne un corps policier professionnel qui te gagne 15,000 policiers. Yo mandé pour réduction progressive personnel en uniforme Nations Unies. Nous songe dans dernière année et transition te fait côté c'est un bureau politique qui te gagne un mandat conseil là et pour te accompagner. C'était un signe professionnalisation que t'a continué pour te capable permettre la police nationale là avec l'autre institution d'un pays à prendre toute autonomie yo. Et ça démontrer une capacité renforcée pour être capable d'entreprendre diverses activités de prévention contre crime pour te lutter contre problème corruption et impunité qui a rongé nation. Cependant, je ne jodi an, tout le monde constate. Malgré tout, j'ai fait ça yo. Et donc, il faut qu'on continue à faire toujours. Nous sommes capables de dire qu'il y a un progrès qui a été pour faire toujours. Effectif police là, il est insuffisant pour être capable d'accomplir la tâche correctement selon le standard international. Là. Et principe force sécurité des Nations Unies a affecté, on manque criant financement. Il manque de formation, équipe adéquate, faire des machines correctement, mais il y a toujours un support dans ce sens-là. Et dans le rapport que vous présentez, guerrier, mon rapport vraiment accablant, contrairement avec Jean, vous avez dit avant, vous rendez compte, situation invivable, et vous même à poser cette question, et qui moyen, qui dynamisme n'a pas le mettre en place vraiment pour arriver dans le quartier populaire, mettre campé bureau pour organiser l'élection dans situation tête chargée. Nous, aujourd'hui, à son rapport vraiment lamentable sur la situation sécuritaire. Oui, Nations Unies qui n'a pas eu depuis un bon bout de temps et chaque mandat pral fini, surtout dans le mois d'octobre, hein, nous toujours noté des situations qui. Il n'y a pas de conscience que vous échouez tout. Oui, et la qui bilan tout par rapport à mission que vous avez gagné. Une mission que vous avez gagné, c'était accompagner la police nationale, la professionnaliser la police nationale là, qui est en crise, hein, je dis, par rapport à ensemble de problèmes qui a privé dans l'institution. Donc, c'est l'occasion tout pour Nations Unies, tu as fait bilan présence li en Haïti.